I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette 12e édition du Wrestle Rock Podcast, partie musique et art et spectacle. Mon nom est Benoît Laferrière, je suis en compagnie de mon ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment vas-tu, Jo? Ça va bien, Ben, en forme? En forme! Super, super, comme tu l'as dit, on fait l'émission 12 du Wrestle Rock Podcast, puis commençons tout de suite vivement dans le sujet. Tu pars ou je pars? Vas-y, mon ami! Bon, nous allons commencer avec la formation de grunge américaine Pearl Jam, qui a fait le lancement de sa tournée le 18 septembre dernier. Et en tête d'affiche du festival See Here Now à Asbury Park, au New Jersey. Les fans ont remarqué une petite affaire, Joe. Je sais pas si tu l'avais entendu parler, mais Josh Klinghoffer, l'ancien guitariste de Red Hot Chili Peppers, il était avec eux autres. Il va faire une tournée, c'est ça? Ouais, ça se peut. T'sais, on en a parlé souvent dans les anciens podcasts, mais souvent, c'est des gens qui s'échangent, pas des lutteurs, mais qui s'échangent des artistes. T'sais, puis, t'sais, je l'ai mentionné dans un ancien podcast, mais tu te souviens, j'avais mentionné qu'il y avait le chanteur de Guns N' Roses, Axl Rose, qui avait participé à une tournée de AC/DC. Ouais, tu l'avais dit dans le dernier podcast. C'est le genre de truc qui arrive fréquemment. Je pense aussi à Ace Frehley, qui en ce moment fait une tournée avec Alice Cooper, et puis plein d'autres beaux artistes, là, dont une guitariste que je me souviens pas de son petit nom, mais elle a fait une couverture de magazine là, récemment. Là, je pourrais faire une publication éventuellement. Vous nous suivrez sur les médias sociaux. D'ailleurs, j'espère que vous appréciez toujours le fait qu'on partage, qu'on vous met des breaking news, des trucs intéressants suite à la musique, la lutte, ces choses-là. Donc, poursuivons. Donc, le 20 septembre, Ben, les Rolling Stones, ils ont fait leur premier spectacle sans Charlie Watts. Le défunt Charlie Watts qu'on a annoncé qui est décédé au mois d'août. Lors d'un événement privé organisé par au Gillette Stadium du Massachusetts, par le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, le groupe a interprété un set de 14 chansons avec le nouveau batteur de tournée nommé Steve Jordan, 6 jours avant de reprendre la tournée No Filter qui fut retardée. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais récemment, on a fait des publications concernant Dream Theater et Rush. Et puis, ça m'ouvre grande la porte, tout simplement, pour parler que, je sais pas si tu te souviens, Ben et nos auditeurs, mais il semblerait que l'ancien batteur de la formation Dream Theater, Mike Portnoy, pourrait éventuellement remplacer le défunt drummer de la formation Rush. Mais ça, c'est une rumeur, ça. Il remplacerait éventuellement peut-être Neil Peart. Des grosses chaussures à remplacer. Là, Neil Peart qui était un de mes préférés batteurs, mais l'un des 20 meilleurs batteurs de tous les temps. Donc, toi qui es drummer occasionnel en plus. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une histoire à suivre, les amis. Ça risque. 2022 risque de nous surprendre beaucoup. C'est sûr qu'à propos des Rolling Stones, faire un premier show sans. Comment ils l'appellent, là? Sans Charlie Watts. Sans Charlie Watts, ouais, c'est ça. Ça devait être spécial. Je sais pas si le monde a vu une grosse différence, là. Mais c'est. De l'avoir sur YouTube un peu, le show, ça doit être un petit peu plus difficile. Tu sais, je compare. C'est sûr que là, je compare un petit peu des pommes avec des poires, mais ce que je veux dire, c'est que quand Adam Lambert a remplacé Freddie Mercury pour Queen, c'est sûr que ça, c'était beaucoup plus drastique que genre un batteur, tu sais. Ouais, je comprends.
parce que la voix de Freddie Mercury était particulière et puis l'intonation, c'était ce qui faisait le charme de Queen. Tandis que là, pour l'instant, s'il y aurait eu Mick Jagger qui du jour au lendemain aurait décédé, je pense que ça aurait eu une plus grande impact au sein du groupe des Rolling Stones qui sont à quoi leur 60e année de carrière, j'ai cru. Ouais, ça a parti quoi, en 72, j'aurais dit. Ouais, c'est vraiment. On a eu l'opportunité de pouvoir les voir sur les plaines d'Abraham, les gens de Québec, quelques années au Festival d'été de Québec. La tournée, en parlant de tournée, est-ce que tu savais que Judas Priest, qui a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie, et qui devait durer jusqu'en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Milton, en Ontario? Eh bien, le reste de la tournée a été reporté à des dates ultérieures, car le guitariste, dans le fond, Richie Faulkner, a été hospitalisé pour des graves problèmes cardiaques. C'est ce qui a été rapporté le 27 septembre dernier. Ouais, j'ai lu un article là-dessus, apparemment, là, qui prend du mieux, là, du moins on l'espère. Ouais, parce que si vous suivez, chers amateurs de musique, tous les sites de nouvelles de musique rock, vous avez sûrement pu voir... que Judas Priest en ce moment apparaissent un peu partout et suivent beaucoup l'histoire. Là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va devenir l'avenir de Judas Priest? Ouais, ça fait c'est le 50e anniversaire. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tous les vieux de la vieille, là, ben, ils fêtent tous leur 40, 45, 50e anniversaire. Fait que je pense que on va être gâtés là, dans la prochaine année. J'espère juste que, ben, avec le passeport vaccinal, on puisse participer à des événements et que ça puisse être intéressant, mais. On risque de peut-être avoir soit des reunion tours, soit des end of the road, une dernière tournée d'adieu, ouais, ces choses-là, un farewell, c'est ça. Donc, voilà. Alors, on va parler de punk, de musique punk, mesdames et messieurs. Le 29 septembre dernier, on a appris une très bonne nouvelle concernant le leader de Blink-182, Mark Hoppus. Eh bien, figurez-vous que le musicien de 49 ans n'a plus de traces de cancer. Ça, c'est cool. Ah oh, oui, c'est encourageant. Ben oui. Il est en rémission. Ben oui. Tu peux jamais dire que tu es guéri à 100%, tu es en rémission. Là. Yes, yes, yes. Alors, celui qui avait reçu un diagnostic de lymphome diffus à grande cellule B de stade 4 plus tôt cette année a partagé la nouvelle cette même journée dans une déclaration publiée sur ses comptes de médias sociaux et je cite « Je viens de voir mon oncologue et je n'ai plus de cancer. » Il a écrit « Merci Dieu et l'univers et les amis et la famille et tous ceux qui ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l'amour. » En plus, a décalement éclairé « Je dois encore me faire scanner tous les 6 mois et il me faudra attendre jusqu'à la fin de l'année pour revenir à la normale. Aujourd'hui, c'est un jour incroyable et je me sens tellement béni. » En parlant de Mark Hoppus, je vous ouvre encore une fois une parenthèse. Ah oui, vous en avez. Mes Moses de parenthèse. Il y a beaucoup de tatouages, mais, c'est ça. non, en fait, en parlant de tatouages, ouais, il y a beaucoup de tatouages, ça me fait penser que Blink 182, ils sont chanceux que Mark est en rémission de son cancer. Ouais. Mais on se rappelle, il y a plusieurs années, le drummer Travis Barker avait eu un accident d'avion. Et puis l'avion avait pris en feu et puis Travis Barker avait été brûlé à 80% de son corps. Et de ta voix. Ouais, et puis malgré tout ça, il est en forme, il est en santé, il y a des tatous puis tout ça. Ouais, il y a des greffes de peau. Ben, j'imagine, là, c'est ça, mais c'est le fun de voir que Blink 182 sont encore en forme. Ils ont sorti, je pense, c'est l'an dernier, une nouvelle chanson qui était un petit peu sortie des chantiers battus. Du style riche et punk d'origine que Blink 182 avait servi avec des... Le punk vieille tradition. Ouais, c'est ça. Okay. Ils ont un petit peu changé leur style, mais on entend toujours la voix du chanteur qui est encore là. Puis on pourrait même la partager éventuellement. Puis je crois que tu n'avais pas entendu cette chanson-là, mais ça vaudrait peut-être la peine qu'on la mette. Juste se rappeler des bons souvenirs de Blink 182. Donc, par la suite... prévu au départ de sortir le 8 octobre prochain l'album Manimal d'Armageddon sortira finalement le 8 décembre 2021. Le 3 décembre. Oh, excuse-moi, c'est moi qui vais faire l'erreur. Donc c'est le 3 décembre. C'est à cause de la COVID, tu sais, ils l'ont pas trop dit. Hein. Non, je le sais pas du tout. Pis ça me fait penser, hein, on en a parlé tantôt, mais Manimal, hein, tu voulais nous chanter une petite chanson qui ressemblait à Manimal. Manimal, je t'ai choisi. T'es con. Ouais, je sais. Tu peux poursuivre si tu veux. Oui, bien sûr.
Ah, non, pas encore Kiss. Ah, ben, c'est sûr. Ah, j'ai pas, ouais, ouais, du 29 octobre au 3 novembre 2021, c'est dans pas long. Ah, oh, oui, aura lieu, bien, là. Aura lieu le Kiss Cruise ex thématique Psycho Circus. Yes. Cet événement se fera, et je cite, Miami to Harvest Key, Belize and Roten, Honduras, Night Ranger, Queensryche, Sebastian Bach. En fait, c'est les jeux, c'est des feats, c'est des featuring, c'est des guests, c'est des personnes qui vont faire partie de l'événement. Et puis, Kiss Cruise, depuis déjà 10 ans, eux, ils organisent une croisière, puis c'est la 10e anniversaire. Le WrestleMania c'est de Kiss. Ouais, c'est ça. Puis c'est... ouais, c'est exactement, c'est un WrestleMania de Kiss. C'est... dans le fond, comme tu disais, c'est du 29 au 3. Puis, tous les soirs, il y a des shows de Kiss, qu'ils soient make-up ou pas. Et puis, ben, ils ont plein de gens invités, dont ceux que tu as mentionnés juste avant. Harvest Case, Night Ranger, Queen's Rishes, Sebastian Bach et plusieurs autres. Sebastian Bach qui était dans Skid Row à l'époque. Ouais, 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 ouais. Mais il reste d'avoir des belles surprises de ce côté-là. Je crois que Bruce Kulick aussi va faire partie du Kiss Cruise. Là, c'est oui. Jusqu'au 3 novembre. C'est pas dangereux que ça se poursuive jusqu'au lendemain. C'est quoi déjà le lendemain du 3 novembre? Le 4 novembre au soir. Yes. Nous allons parler de Michael Jackson, mesdames et messieurs. Il paraît que sa charmante jeune fille a fait quelques photos osées. Peux-tu en parler? Oui, c'est ça. Paris Jackson a besoin d'attention. Vous aurez pu constater sur les médias sociaux récemment, et surtout sur son Instagram, qu'elle a posé nue avec ses amis. Mais c'est quoi son problème? En plus d'avoir perdu son père, il faut qu'elle se crisse à poil. Je sais pas. Non, mais tu sais... As-tu besoin d'attention tant que ça, toi pis moi, là? Ben non, les paparazzis doivent être tout le temps après à la maison, là, pis clac, 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 clac. Ben ouais. Pis elle, faut qu'elle se mette tout nue, là. Ben, pas besoin. Voyons, sacrément. Réfléchis donc, hostie. le nouvel album de Bullet for My Valentine. Hey, faut pas oublier. Vas-y. Faut pas oublier que bientôt nous allons faire un spécial sur Michael Jackson, oui, mesdames et messieurs. C'est vrai. Manquez pas ça. Yes. Et puis, ça risque d'être fort intéressant. Vous avez été plusieurs à nous écrire sur nos médias sociaux. Et puis, vous l'attendez donc prochainement. Nous aurons un beau spécial pour vous sur la vie, l'étranger et toutes ces anecdotes de Michael Jackson, ce qui risque d'être fort intéressant dans les prochaines semaines. Des gros moments marquants de sa naissance en 1958 jusqu'à son décès en 2009. C'est exact. C'est sûr qu'il faut dire. Donc, revenons à ce que je venais de dire. Oui, bien sûr. Donc, non, il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, Bullet for My Valentine vont sortir un album intitulé du même nom que le groupe devait sortir le 22 octobre. Mais à cause de problèmes de fabrication dus à la COVID-19 et le côté chinois de l'affaire, tu sais, ils ont de la misère à avoir des produits électroniques suite au COVID, c'est quand même assez compliqué, tu sais. Tu sais, je pense, j'ai commandé un fil, là, puis je l'ai commandé le 2 septembre sur Amazon, puis c'était un revendeur chinois, puis je l'ai reçu comme le au mois de novembre. Là, cet album-là, il va sortir le lendemain du 4 novembre, si on veut. 4 novembre, c'est ça. Le show de Crisis of Fate impliquant Billy Talent avec comme invité No Bro et Pop se fera dans l'Ouest canadien les 7, 8, 10, 11 et 14 février 2022. Ils vont sûrement faire tirer des tickets en cannelle à Saint-Valentin. Non, mais probablement. Tu sais, c'est un addon que ça finisse le 14 février, il en tout pis moins. Je sais pas. Alors maintenant, nous allons continuer du 20 au 22 mai 2022. Il y aura le 30e anniversaire du festival Metalian au Centre culturel de l'Iliade en France avec des vedettes telles Nightmare, Artillerie, Secret Sphere, Ecclesia, etc. Tu connais Secret Sphere? Oui. Ah oui, c'est un de mes deuxièmes groupes préférés après Sonata Artico. Yes, c'est du power metal. C'est de groupes intéressants. Au centre Vidéotron, Billy Talent et Rise Against et No Bro feront une tournée. Ils vont passer au centre Vidéotron et en Ontario du 1er au 7 avril 2022. Ça risque de chauffer la cabane. Il n'y en aura pas le 2 pile 5. Rendez-vous. Il n'y en aura pas le 2 pile 5. C'est ça, exactement. 3, 4, 6, 6. 3, 4, 6, 7. C'est ça.
L'ancien chanteur de Nightwish. Chanteuse. Oh, excusez-moi, Nightwish, c'est vrai. Annette Olsen a parlé à CNN de l'équilibre entre sa carrière de chanteuse et son travail quotidien. J'ai toujours voulu aider les gens à travailler avec quelque chose qui me donne quelque chose à l'intérieur, a-t-elle déclaré. Je suis infirmière autorisée. Genre, ça, je le savais pas. J'ai donc commencé à étudier et j'ai obtenu un baccalauréat. Cela m'a pris quelques années et je travaille avec ça depuis 3 ans maintenant. Et je pense que c'est un bon complément. C'est un bon complément à faire de la musique et faire un autre travail. Je pense que c'est bien pour nous de voir d'autres choses. Fait que, tu sais, ben, c'est sûr que, tu sais, elle, suite au COVID, ben, j'imagine que Nightwish n'ont pas fait de spectacle pendant toute la période du COVID, puis elle ne doit pas faire même de spectacle de ce temps-ci. Ouais, mais elle, là, elle est partie... infirmière, fait que, tu sais, elle a switché son fusil d'épaule. Elle est partie en 2012, elle, là. OK, c'est l'ancienne chanteuse. OK. On s'entend que la meilleure chanteuse de Nightwish a été Taria, là. Ouais. Jusqu'en 2005, après l'album Once, là, mais madame, ouais, elle faisait sa capricieuse, sa prétentieuse, avec l'on sacré dehors. Ça a l'air qu'elle sentait de la plotte. C'est ça, je me sais pas, ça sentait de la plotte. C'est ça, man. Ouais, je travaillais avec un gars, puis mais. Oui. OK, c'est... Mais pour son travail d'infirmière, elle doit être dans l'affaire mère-enfant, parce que ça dit dans sa déclaration « Je travaille avec des nouveaux-nés à la maternité, donc c'est vraiment un très bon travail. » La chanteuse d'origine suédoise a initialement rejoint Nightwish en 2007 et a enregistré 2 albums studio avec le groupe avant d'être licenciée en 2012, comme je l'avais dit. Yes. Au milieu de la tournée nord-américaine du groupe, elle a été remplacée par l'ancienne frontwoman d'After Forever, Fleur Jensen. Et puis, le 15 octobre dernier, Vince Neil s'est cassé les côtes après avoir fait une chute accidentelle de la scène lors d'un concert de chanteurs du chanteur de Motley Crue au festival Monster of the Mountain à Pigeon Forge au Tennessee. Pour moi, il était pas à joindre. Ah non, il... Comment tu peux sacrer quelqu'un d'un stage, calvaire? Ben, Grégory Charles, il l'a déjà fait. Puis il était à joindre. Il est tombé du stage. Oh oui, ben oui, pendant un spectacle, tu te souviens pas de ça? Oh, Vaguement. Oh oui, ça avait fait la une, ben oui. Mais à son âge, c'est sûr que quand tu tombes, tu te pètes des côtes. D'ailleurs, j'ai vu récemment, je vais parler encore de mon maudit groupe Kiss, là, mais Gene Simmons, ils ont fait un show il y a quelques mois, puis quand Gene Simmons descendait sur la plateforme, d'un côté, il y a un corps qui a lâché. Fait que là, il s'est ramassé comme à presque tomber, mais il avait son harnais. Ah, mais tu sais, il aurait pu vraiment se faire mal. Son harnais, il n'a pas lâché comme à Over the Edge. Comme M. Hart. Ouais. Ouais. Dans le fond, à ce qu'on vient de dire, le 28 septembre dernier, il y a un film documentaire qui est sorti sur Netflix intitulé Britney vs. Spears. Ouais, on est tanné avec ça à Britney, mais faut en parler. Oui. C'est ça. Selon bien des sources, le film a été réalisé par Erin Lee Carr et non Eric Carr, qui est décédé. Ouais. En surtout, comme sujet, la mise sous tutelle de la vedette pop avec son père depuis plus de 13 ans. Et il est surtout question de la quête de Britney Spears pour retrouver sa liberté. Alors, c'est ici que se termine le Wrestle Rock Podcast, émission 12 sur la musique et sur le show business. J'espère que vous l'avez apprécié. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais avec Benoît Laferrière. Et merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez apprécié la vidéo, faites un beau petit thumbs up. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être tenu au courant de la sortie de nos nouveaux épisodes. Et on vous invite pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Alors soyez des nôtres, l'action ne manquera pas.